Amener les cadres à s'approprier les méthodes et techniques de l'approche Common Ground, c'est-à-dire la recherche d'un terrain d'entente pour la transformation des conflits. Définir de manière inclusive leur rôle dans le renforcement de la cohésion sociale, mais aussi les préparer à mener des actions de cohésion sociale en faveur des populations, c'est-à-dire des jeunes et des femmes. C'est le défi que veut relever l'ONG Search for Common Ground. Elle organisa donc un atelier de formation en vue d'impliquer davantage les cadres des différentes régions dans le renforcement de la cohésion sociale. Les initiateurs de ce projet de transformation sociétale, dénommé J'aime mon pays, entendent accroître la participation des leaders communautaires dans le processus de réconciliation nationale dans les zones les plus affectées par les violences post-électorales, mais aussi renforcer le dialogue national autour de la tolérance et de l'unité dans la diversité. Les participants souhaitent que les initiateurs multiplient ce genre d'activité afin de leur permettre non seulement de renforcer leurs capacités en matière de cohésion sociale, mais aussi de s'approprier les méthodes et techniques de l'approche Common Ground pour la transformation des conflits dans leurs différentes zones. À l'issue de cet atelier de formation, plusieurs recommandations ont été énumérées.